Avec plaisir. Bonsoir, coucou Sebouy, coucou Lortek, coucou Mikael, coucou Le Sel. Coucou Jean, Jeanne, je sais pas trop comment on dit. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Avez-vous la forme? J'open pour vous, regardez, paf, c'est open. Open bar. Coucou Mortuary, comment tu vas? Putain de laquitude, Vas-y, merde! vous. Enculé! Attendez, j'ai pas Trou du open. cul! Ah si, c'est ouvert. Où sont les niveaux? Bah, mettez-vous là. Ah bah voilà. Niveau de Sebouy pour commencer. Let's go. Let's go niveau de Sebouy. Ça va bien toi-même, ça va tranquille, ça va, ça va. Je sais pas ce que tu as fait, donc à voir s'il reste pas... S'il reste pas que les... D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, 3FR. 6, G5. BTG. C'est vrai que c'est beau ça, ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un T-niveau d'ailleurs. Tout court, hein. Tout court, tout court. Super Gwen Bros 1-1, you need to take red coins. And joue mieux. J-O-U-E-M-I-E-U. X. Joue mieux. Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pam. Ok, on revient. C'est un beau suicide, c'est une belle histoire. Une histoire de mort. Pas comme les autres. C'est ça? Et je dois attendre 8 ans? Ah, c'est ça. Je suis pas sûr. Merde. Ouais, non, je connais la technique, hein. Je connais, je connais. Super Cody World 3, on connaît. On connaît, connaît. Tout ça, quoi. Pam, padam. Petit jumping, ouais. Voilà, je suis naze, hein. Ah, vraiment naze. Vraiment naze, hein. Vraiment pour du cul, j'ai aucun. Je n'ai plus rien, je n'ai plus de jus, je suis nul. Totalement pourri du cul. Je ne sais pas jouer au jeu, non. Je suis totalement pourri. Ouais, le jeu, je me suis fait rembourser, ouais, je me rappelle. Le jeu de mort, là. Le jeu de ses morts. Le fameux jeu pourri à chier. Ah, vraiment? Il faut plus d'élan? Merde. Le jeu que j'ai plus envie de voir, ah non, moi je l'ai fait rembourser parce que c'était vraiment un jeu merdique, hein, Jump King, les gars. Ah, c'est... Faut pas s'excéder dessus parce qu'il est bon, hein. Le jeu est pas bon, hein, les mécaniques sont mauvaises, hein. Les choix sont mauvais dans le jeu. Mais putain, je suis vraiment nul. Mais je suis vraiment naze. Au secours. Ça passe, je crois. Ah! À l'aide. Ça passe pas. Ah, j'ai voulu rentrer dedans. Trop complexe. Hein. Attends, je me demande si on fait ça, si ça enlève la condition de notre jump.
Si on fait... Ah, je sais pas, en vrai. Je pense que, ouais. Je pense que ça l'enlève, moi. Pourquoi toi, Mixouy, comment tu vas? Coucou, bonsoir. J'espère que tu vas bien, Mixouy. Que tu as la forme. Et elle joue mieux, putain. C'est fou. C'est fou de pas jouer mieux comme ça. Ah. Ça peut aller, toi? Bah, j'ai déjà demandé, je suis con. Tu vas peut-être ça maintenant, c'est oui, ça marche. Ça marche. Enfin, pas trop tôt. On a enfin joué mieux. J'aime pas ça. Ouf. Effrayant. Oh, un bot. Oh, un bot. À bientôt, le bot. À jamais. Salut. Ça ressemble à un fromage, mais je suis pas sûr. Oh la pute. Il a mis un truc. Parce que si on va à droite, on est baisé. Si on prend le damage, on est vraiment baisé. Il y a des gens qui feraient l'amour à droite. Moi, j'aurais pu faire l'amour à droite hein, et me faire avoir. Les cadeaux. Oh, c'est Noël, c'est ses bouilles. Forcément qu'il y a des là qui tuent. Petite marque de fabrique, ça. Du pognon. Un niveau pour moi, ça. C'est Bouy qui me lâche de la thune. C'est bon ça. Putain, l'inquiétude, merde. Pardon. Trou du cul. Trou du cul. La thune de Cébouille. Prenons-la. N'en laissons aucune miette. C'est bon. On a pris tout le pognon de Cébouille. On a ruiné son portefeuille. Il y a un troll. Ah, ah. C'était pas une pièce, c'était une top. Et vous avez vu comment je l'ai buté? J'ai réussi à la buter. Mon dieu. Mon dieu, c'était effrayant. J'ai eu très chaud, j'ai eu très chaud au cul, ouais. J'ai eu extrêmement chaud au cul, ouais. Oh là, c'était effrayant. J'ai vraiment eu peur. Ouf. Niveau... C'est un bon niveau, c'est Bouy, merci. Je sais pas si purgesque, ça va. Niveau des gens. C'est pas une si grosse purge, en vrai, ça va. Regarde en plus d'infos. Regarde en plus d'infos, il y a un fromage. Hein, n'est-ce pas? 53 secondes. Qu'est-ce que je dois regarder? La fin. Ouais, c'est une top, hein, je l'ai bien vu. Merde. Bah, je veux voir. Mais arrête. Ouais, c'est une top. C'est quoi, il y a un... Oh, y a aussi un champignon qui peut me tomber sur la tête. Quel enfer. Quel enfer. Excuse de pas avoir parlé tout de suite, j'étais occupé à ne pas me faire péter la gueule sur un niveau de merde en affrontant... T'inquiète pas, pas de soucis. Pas de problème, l'ami. Tu es full libre, hein. Ouais, caché, ouais, je viens de le voir, ouais. Y'a l'enfer, heureusement que j'ai pas pris le pognon, hein. C'était dangereux, tout ça, hein. Le pognon était très dangereux, c'est un anti-moi, ça, hein. Vous savez que les pièges derrière les pognons, le pognon, c'est anti-moi, hein. J'aime trop le pognon. HGP. 8 FG. Salut, si je suis là, si je suis pas là, c'est pas que je suis mort, hein. Je suis en vacances pendant encore 12 jours et je ne reste pas trop longtemps. Ça marche, nous y coucou à toi. Bien le bonsoir, j'espère que tu as la forme, que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, l'ami. Aucun problème. Comment se passent tes vacances? Ça va? Oulomas, ça fait longtemps un Oulomas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'Oulomas. Non, t'as pas manqué la fin d'Underlease. On arrive à la fin, là, Level King. On arrive à la fin de Level King, aujourd'hui. De Level King. On arrive à la fin d'Underlease, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin.
Aujourd'hui, sale soleil, piscine, la plage, ah, impeccable. Ah merde, bah tu vas manquer la fin probablement, ouais. Oh, en bâche. Ok, je crois en bâche. Ok, si j'ai compris. Ah non ! Viking. Ah, je comprends pas ce que je dois faire en fait. Ah, d'où l'antenne d'Orstrand. Bah une... Ouais, la liane peut-être. Je crois que c'est de la manipulation, mais... Je crois que c'est de la manipulation, faut le transformer en quelque chose... Il ne fait rien, je sais pas. À l'autre, ouais. J'ai déjà essayé, je crois. Oh, cette merde. Cette musique de Level King. Carapace rouge quand je fais ça. Musique de Level King, let's go. Ouais, mais c'est manipulable, je crois. Hein? Ben non, je vais pas voir. Bon, ok, c'est là. La dernière. Ok. Je comprends pas le niveau. Faut trouver le bon input. Hein. Ouais. C'est chiant. Vais-je avoir la solution ou pas? J'ai pas compris pourquoi. Thank you. But why? Why did I succeed? Niveau suivant. Niveau de Mikhail. The roof has a different hitbox. Ok. Ok, that's why. Ok. Ok. En fait, elle va le faire cracher vers le plafond. Non pas vers toi. Du coup, elle sauter le plus haut possible. Faut qu'il touche pas la box. J'ai compris. Pas vraiment un masque du coup. On a 47 points seuls, pas 49 en fait. Hein. Je vous en trouve un petit peu, mais voilà. 47 et non pas 49. En fait. Coucou Adam, bonsoir à toi l'ami, tu vas bien? Coucou. Alors, Mikhail, let's go. R4C. 745. J'aime énormément l'argent. 52G. C'est ma passion. On a vraiment tout fait chez toi dans ce coup-ci. Et c'est pour cette fois c'est vrai, je crois. Si t'as rien ajouté en niveau, on a vraiment tout fait. Alors, Itamaiden, c'est non pour moi, je n'aime pas trop. Non, on va pêcher. Je crois, hein.
Je crois. Non, sois pas triste. Quelque part, ça veut dire qu'on a tout fait, quoi. Allez, niveau classique un peu dur. Let's go dans la glace. On va grimper en glissant. Guys. C'est très généreux. Bon, j'y vais, hein, bye. Quoi ? Des bisous, Nousy. Des bisous à toi, porte-toi bien, Nousy. Profite bien des vacances, profite, l'ami. Profite. One life, excellent. Wow. Merde. Ah si, c'est bon. Pognon. Argent. Champignon, quoi. Ok. Parfait, ça. Ok. Beaucoup de champignons, hein. Mais c'est plaisant. C'est très chill, au moins. Aïe. Ok. Ok. Pas tout capiche, mais ok. Ah oui, effectivement. Ouh, punaise. Ouf, punaise. Et paf, on tombe. Voilà, parfait. Champignonne, moi. Ok. Et donc. Ah, là-bas. Suis-je con. C'est bon. I got it. Et le champignon. Ah. J'ai besoin de le re-upload ce niveau aussi, mais il a 30 likes, j'ai pas envie. Bah, il est plutôt bon ce niveau pour l'instant. Tu m'étonnes qu'il a 30 likes. J'ai des fromages comme ça, là. Bon, j'aime bien les fromages. Voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est très bon, ça. Très, très bon. Pourquoi tu veux le re-upload, d'ailleurs? Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Ah. Ok. Ça, c'est chiant. Ouais, effectivement, c'est chiant. Effectivement, c'était un peu chiant. Un peu barbant. C'est un peu dommage. Damn. Ok, paye. Ah, d'accord, c'est pour faire respawn les canons. I see. Beaucoup de champignons. C'est très cool. Ça, c'est... Je vois le truc, mais bon... Si tu vas vite, y'a aucun problème, quoi. On va passer à un fromage que j'ai pris. Mais quel con. Mais quel idiot. C'était juste pour de la thune, en plus. Tout ça pour de la thune. Du coup, je meurs pour de la thune. Yes. Je suis vraiment heureux. Vraiment heureux d'être greedy. Avoir toujours cette gridance en moi. Ah, d'accord. La gridance à outrance. Ok. Pour une pièce, mais faut que je fasse en sorte que même en grand, on peut pas. Ouais, c'est ça. Là, on est obligé d'être petit, c'est un peu chiant. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris le damage, ce qui était un peu relou. On va apprécier de ne pas le prendre, en vrai. J'aurais pu y aller, je crois, mais j'ai eu la flemme. J'ai eu la frayeur. Merde.
Ok. Tac. Pépédépé. Oh là, l'esquive. Incroyable. Incroyable esquive. Vraiment incroyable. Incroyable. Ah bah oui, le problème est là. Enfin, c'est pas un problème, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu relou. Squat. Bah, GG. J'ai raté le bonus, visiblement. C'est amusant. C'est amusant. Ok. C'est un bon petit niveau en vrai. C'est plutôt cool. Plutôt amusant. Niveau suivant. Niveau de Level King. Let's go. Merci, mais je vais devoir le modifier de toute façon. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Même chose, évite les énigmes. Ça marche. It's okay, guys. Y, X, J. LPQ, frère. KTF. Ça, j'ai déjà fait, je crois. Ouais, c'est moi, Zeket Beast. Ouais. Non, il marque les trolls. Non, ça, c'est long. Clem. Non. Level Planet, on connaît, on a fait pas mal déjà. Pas de troll. Vas-y, va pour celui-ci. Va pour celui-ci. Va pour celui-ci. Oh, de l'eau. Oh, de la fleur. Des pièces. Ah, dommage. Il y a un pot. Je sais pas ce que je fais, hein. C'est la bonne façon de jouer aux jeux vidéo. On sait rien. Oh, champignon. Bon. Toujours. Effrayant, ça. Je vais jamais faire ça, mec. Ah, mince. Ta 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 ti dou dou. Et oh, une pièce. Du dou ti di. Du 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 du. Pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. On m'appelle le voleur. Je vole tout. Tout ce que je peux prendre, je le prends. D'accord. C'est comme si on était chez moi. On est chez moi ici, frère. Oh, ouais, d'accord. Marrant. Où est la pièce? À droite? Ouais, je pense. Les pièces sont marrantes parce qu'elles indiquent le chemin, je crois. Ouais, c'est ça. Plutôt appréciable.
Ok. Ok. Fromage. Je crois que j'ai un fromage, frère. Le niveau est cool, hein. J'aime bien, moi. Non, j'aime bien, il est cool, en vrai. Très très cool. Très très cool comme niveau. Plutôt cool comme niveau. Ah, et deux pots, ok. Ça marche. Niveau suivant, niveau de cébouille. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Alors, TVB. WL9. DYF. Celui-ci est déjà fait. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle. Est-ce qu'il y a un troisième Super Goon Bros? Bien sûr. On fait le troisième. Taximol. Yoku Absolu. Très bien. Let's go. Oh. Ah, passe au T-chef. Faut pas sauter, chef. La connexion ne veut pas publier un niveau à l'aide. Aïe, 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 quel enfer. Faut reboot la box. J'ai déjà fait ce niveau. Ah non, je l'ai déjà vu en vrai. Ça passait. J'ai vu un... Je mets un dessus, je crois. Oula. Marrant ça. Ah, oula. Bah. Fallait prendre le boulet. Ah, faut le ramasser, ouais. Ah ouais, bien vu, bien vu. Faut le tomber le boulet, mais ça marche pas. Ok, je suis vraiment un boulet. Lol. T'en as tous cru que j'avais le first try, mais en fait, non. En fait, non. Alors, comme ça, on veut fromager. Coucou, Madame Matin, exactement. Comment tu vas, Madame Matin, tu vas bien? T'as la forme? Coucou. Ça va bien, tranquille. Ça peut aller. Là, faut timer, non? En vrai de vrai. Non, ça va. Ah, d'accord. Ok. Dommage. Ça marche, Viking. J'avais peur quand même, pas vous mentir. Ah la pute! C'est vraiment une pute, c'est vous, des fois, y'a toujours un troll. Et je le prends. Merde! Le retour de moi, le retour de toi, coucou Snow, bonsoir à toi, comment vas-tu? Je le voyais en plus, j'aurais dû sauter. Je l'ai vu, j'aurais dû sauter.
Je l'ai vu, hein. J'ai hésité, je voulais voir ce que c'était et j'ai pas sauté quand même. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai mal anticipé. Je suis un guignol. Ah d'accord. D'accord, carrément. Oula. Et va à gauche. Tu sais qu'en mettant le niveau, je me suis pris le troll. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes pas, hein. C'est lequel, t'as fini le niveau que t'avais envoyé à Stardam hier, Zabouille? C'était lequel? Ah, le... Le Jump King. Plutôt cool, ce niveau. J'ai pas trouvé très plusieurs gestes, moi. Même très amusant. Un peu galéré, mais ça va. Oula. Je vais me faire avoir, tiens. Donc là, j'ai peur de rater, en fait. Et ouais, c'est là, en fait. Ok. Un peu trop serré, ici, pour moi. Mais non! C'est l'entraînement, Madame Latin, tu vas y arriver. Ne t'inquiète point. Ouf, t'es chaud. Pardon. Merde. Donc j'appuie au bon moment. Ouh, c'était chaud. Je suis un peu tombé, mais on le dira à personne, d'accord? On le dira à personne, ok? Je crois que j'ai rien à faire, là, c'est tout seul, hein. Ouais. Easy mode, ça. Et là, c'est Noël, c'est win. Ouais. C'est un bon petit niveau, ça. Yes. J'aurais dû mettre une carapace de beurre insecte et un kaizo bloc au-dessus de la tête. Bah non, c'est trop. Ah, c'est trop, là. Ah, je pense que c'est trop si tu fais ça. Niveau suivant. Niveau d'Adam. Ah oui, mais Adam, on a tout fait. On va checker, mais je crois qu'on a tout fait. I think we did everything in Adam profile. QPN. HQT. F0H. Stage de... Oh, yeah. Je crois qu'on a tout fait, hein. On a tout fait. Alors, on va faire un niveau qui l'a donné un cool. Je profite, y'a pas beaucoup de stage, hein. Il dit, ouais, tu peux, vas-y, t'inquiète. Avec plaisir. Oh là là, la bonne vanne. Ça vient de Mushroom to Land On. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, très bon niveau, ça. Enfin, très bon niveau, ça. Très très bon niveau, ça. Excusez-moi, mais c'est un bon niveau, ça.
Bon, je l'ai torché, mais c'est un très bon niveau. Très très bon. Très très bon niveau. Niveau suivant. Niveau de Level King U. Petit niveau de Level King. Petit niveau de Level King. Petit niveau de Level King. Y, X, J, L, P, U, frère. KTF, hein. Ouais, vas-y, go. Go là-dessus. Champignon, oh là. Le fromage, là. Excusez-moi, mais on reconnaît. C'est un fromage, ça. Attendez, ouais, y a... ok, j'ai fromage, mais il y a un sushi là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Ouais, je fais le con. Ok, je suis une merde. Je pense qu'on peut tous en conclure que je suis une merde. Voilà. Je me fais un méjour du coup, évidemment. Cool Lucifer, bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien? Bah, à moi. J'ai pas l'impression... Ouais, non, c'est vrai que... Après, pas forcément... J'ai recommencé. Pourquoi je recommence comme ça? Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Je comprends rien à ce que je fais. Je suis bourré ou... Attendez, je suis dans la boîte. Je vais être con. Je suis sûrement trop con. Je comprends ce qu'il faut faire. Ah, je pensais ça. Ah, je viens de comprendre, ça y est. Ah, tu as pris ce niveau, attention, softlock, deuxième salle, tu ne dois pas prendre la pièce. Ah, d'accord. Mais... À un moment donné, faut se faire des trucs de ma gueule, non? Ouais, faut arrêter. C'est trop, là. Ça marche, Mickaël, je le prendrai. Bah ouais, ne pas prendre les pièces, c'est compliqué. Moi, c'est trop dur pour moi, hein, cette histoire-là. J'ai obligé de ne pas prendre les pièces. Comment veux-tu que je fasse? Je peux pas faire ça. Particulier, hein. Oh. Alors, je confirme que c'est pas un soft lock. Hein. Faut savoir pourquoi. Regarde. Bon, celui-là, ça c'est un soft lock, d'accord. Ah oui, c'est d'accord. Bon, on peut mourir. Hein. Il n'y a pas de softlock, we can die.
Ça, c'est un peu nul, ça, par contre. Parce que j'ai de damage. Oh. Nani ? Oula. Faut pas me désigner sur la vitesse, hein. Non, mais pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça à la fin ? Pourquoi toujours à la fin ? Pourquoi j'ai toujours peur de gagner comme ça? Oh, cette peur de gagner incroyable. Toujours pareil, ça. Oh! Ça fait peur. Je sais plus. Bah, dis donc. Vas-y donc. Ah ouais, je crois que j'ai vu. Second checkpoint. Pas besoin parce que je suis un génie. Et comme je suis un génie, j'ai pas besoin de checkpoint, moi. Ça parce que je suis un génie. C'est un bon niveau, j'aime bien. C'est vrai que je crois qu'il y a du soft lock possible, mais c'est bon. Niveau de ses bouilles ensuite, ça reste un bon niveau. Clin d'œil. Clin d'œil. Alors, VLQ. Oh. 3D4. Et il sait. Super Grunt Bros 1-4. Escroc. Un petit voyage en pet ballon. J'adore les ballons. Moi, alors, une chose sur moi, c'est que j'adore les ballons. Du coup, quand je me transforme en tas de ballon, je suis hyper content. J'adore les ballons. Je suis un ballon. Ah. J'aime les ballons. J'adore les ballons. Tiens les ballons, enfin les mobs. Voilà. Oh. Oh, faut se calmer. Hein. Mais sale connard que je suis. C'est pas un cheese parce que je crois que c'est la mécanique de ces mobs en fait. Ils font 3 arrondis, 3 virages je crois, et après ils se cassent. Avec les ailes. C'est des connards en fait, je suis d'attendre un peu. On voit rien. Comment on peut être sous-pressé si on voit rien en fait. Je vois des hitbox qu'on ne voit pas. Des hitbox qui sont pas représentés par les bons objets.
Allez, ciao. Allez, ciao, Ninos. On se rappelle, hein. Oh merde, là c'est fini. Ah non, il meurt. Mais pourquoi? J'adore les ballons. Mais faut plus jamais faire ça par contre. Ouais, ça dégage. Allez, salut. Ciao, on s'appelle. Allez, bye. J'ai vraiment eu très très peur. J'adore les ballons, regardez. Les ballons, c'est un truc que j'aime. Oh, dis donc, il pleut. Pas trop monter, hein. Tu montes, c'est l'enfer du cul, quoi. Hein. J'adore les ballons, mais... C'est fini le ballon. Coucou Foxmo, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Je prends pas le troll. Je me casse à l'arrivée direct. Direct, je me casse. Coucou Foxmo. Salut. Tu vas bien? Tu vas bien, tu vas bien? C'est un bon niveau, hein. C'est un bon niveau encore. Il y avait un ballon, moi j'adore les ballons. J'adore les ballons. 3 vies, ouais, 3 vies, ouais, on y croit, ouais. Coucou Griffenfer, bonsoir à toi l'ami, tu vas bien? Coucou. Niveau suivant, niveau de Mikael. Niveau suivant. Champi pourri, ouais, je crois aussi, hein. Bah c'est pas des vies, hein, parce qu'il n'y a pas de vie quand il fait nuit. C'est forcément des champis pourris du cul, là. R4C. 745. 52G. Et il va là-dessus. Il va vous faire un petit peu réfléchir, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Après, il est pas d'accord. Ça marche, Lucifer. C'est pas si pourri, hein. Moi j'aime bien ce genre de niveau. Thank you.
faisant compte, hein. Mais je comprends pas la vie. Ah, parce que ça passe, je suis un idiot. Ça passe ou pas, genre ça, hein? J'ai l'impression que ça passe. Ah bah. Au moins comme ça. Ah bah, au moins, ouais. Bon, un peu d'équilibre en fait pour finir. Ah. Ça, je crois. Et merde! Ça rend dingue! Je suis un idiot ou quoi? Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Faut que je sois rouge, c'est mon avis pour gagner. Mais il faut que je. Ah, cette technique de merde là. Faut que je fasse le on-hop jump là. Jump pardon. Alors j'arrive pas à en faire un, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'arrive pas à le faire tout à l'heure. Non, il faut un bloc au-dessus. Pour le faire, je crois. Il me semble. Ah, je sais plus. Comprends pas. Comprends pas. Pas comprendre. Au secours, je dois être naze. Hein. Je dois être complètement con. Ah, je peux l'arriver. Merde. Ok. Bah, je dois être naze. Hein. J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Oh putain de merde, arrête d'être nul. Mais arrête d'être naze, au secours. Ok. Et je suis complètement con, non? Quoi? Bah je crois quoi, hein. Ouais. Les jumps sont chiants à faire en vrai.
Ah d'accord. Je pensais que c'était bloquant les blocs. Ok, je pensais que c'était bloquant. Je pensais que les blocs au-dessus ils bloquaient le plafond, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai bien aimé. Bah où es-tu, Zeket? Bon ça, où es-tu? Je suis là. Niveau suivant. Niveau de Lucifer. Je pense que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à faire les sauts hors d'écran. Ouais, je pense qu'ils comprenaient pas, surtout, à mon avis. VGL. 4CY. 0YG. Le meneur ambulant, version 1.3 hard. Niveau difficile, demande un minimum de skill. Bref, pour ces vegans, ne rage pas. Ah, c'est le niveau qui te m'a envoyé hier, ouais, c'est vrai. Sans le fromage, qu'on n'a pas tout compris avec des blocs cachés. On se rappelle. On se rappelle, on se rappelle. Tu l'as montré. C'est mieux du coup. Merde. Boum. J'ai modifié pour que ce soit moins chiant. Okay. Alors, excuse-moi de tester, hein, quand même. Je teste, voir s'il n'y a pas un truc planqué, hein. S'il n'y a pas... Il n'y a pas juste modifié le trou, quoi. Bah en fait si, comment ça? Le trou. Ouguaro, comment vas-tu? Non, il n'y a pas de trou, c'est bon. Comment vas-tu? Aller mieux aussi. Oh, fuck. C'est raté, c'est raté, c'est raté. Je viens un peu dans le... Ok, ça marche. Oh merde. Merde.
Ok, ça marche. Peut-être qu'un jour ça le tape le bloc du coup. Ça va être chiant cette merde là. Ah. Ok. Ça marche. Ça marche aussi faire. Bah, pas vraiment Madame Atta, en fait, hein. On est d'accord pour l'instant. Pour l'instant, faut deviner les choses. C'est pas évident de deviner les choses. Bon, il y a une pièce. Petit indice. Il y a un petit indice. D'accord. Faut que je monte dessus. Ah, le blocage de Yoshi, il est infâme, ouais. Bah, même le ton, on va pas se mentir, hein. Il est vachement haut, je trouve. Merde. Pas sûr qu'il y a un champignon caché. Pas du tout. Ou une plume. Mais il a quoi le bloc de... Bah il a quoi le bloc? Bah il est caché en fait, on a qu'un moyen de savoir. Voilà. Évidemment, hein. Et la clé là? Normal quoi. Ah, y a un mur. Merci pour ton follow, Lucifer. Merci à toi. Bienvenue à toi dans ta famille. Non, en vrai, c'est... Lucifer, je vais. C'est pas compréhensible. Y a que des trucs cachés en fait. Hein. J'avais raison en fait. En fait, j'avais raison. Hier, quand tu m'as envoyé ce niveau et que je t'ai dit, ah bah, y a un fromage dedans. Et qu'après que je t'ai dit, ah mais en fait le niveau, outre le fait qu'il y a un fromage à la con, qui est une dev exit, planqué, il y a des trucs, quand tu arrives sur le live de quelqu'un que tu dis, tiens, réussis mon niveau impossible, tu n'y arriveras pas. Et que tu, et qu'on voit qu'il y a déjà trois choses cachées dès le début, non, on peut pas. On ne peut pas en fait. Évidemment que c'est impossible. Mais c'est comme dire à quelqu'un, ah, vas-y mec, je suis sûr que tu n'arriveras jamais à trouver une aiguille dans une botte de foin. Eh oui, effectivement, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera pas. Effectivement, il n'y arrivera pas. Bah, il faut Yoshi. C'est évident, arrête d'être con. J'ai envie de te ban. La pièce, ok, t'as mis l'indice pour la pièce. Hein, mais faut deviner, quoi. Par contre, la clé, vous accrochez le cul pour l'avoir. Hein. Sachant qu'en plus, on voit aucune porte armée à clé au début. Donc rien nous indique qu'il va nous falloir une clé. Rien nous l'indique, hein. Mais qu'est-ce qu'il indique, le Yoshi? Explique-moi ce qu'il indique, le Yoshi. Putain. Explique-moi ce qu'indique le Yoshi. Que je comprenne, hein. Alors, Madame Latin, je cherchais le Yoshi parce que je savais qu'il était là. Mais le Yoshi, pour le deviner, il n'y a aucun moyen de le deviner, en vrai. Putain, ça marche pas, en plus. Aucun moyen de le deviner. T'as aucun moyen de savoir que le Yoshi était ici, en fait. Hein. Aucun. Aucun. T'as une shell. Là, t'as une shell, d'accord, très bien. Shell qui était cachée avant, d'ailleurs. Hein. Elle l'a indiqué maintenant, mais avant, elle s'était planquée. Hein. Full planquée, avant. Tu vois, on a une shell, très bien. On fait quoi, avec? On fait ça? Pour deviner ce qu'il y a? On fait ça? On fait ça pour deviner où est la suite, hein, du niveau? C'est ça qu'on fait? Non, moi coup de chance, j'ai deviné hier, parce que je me suis dit, bon, il y a un trou, ça sert à quelque chose, mais bon,
Le commun des mortels, il va pas tester en bas, hein, je te préviens. Le commun des mortels ne testera jamais en bas. Hein. Mais ça marche pas en plus, ça me prend la tête, putain. Ouais, pourquoi pas, Jonathan? Et pour quelle raison ça ne fonctionne pas? Faut que je jette plus tôt? Plus tard? Tu vois mon visage, Lucifer? C'est le visage de l'amusement. Je peux juste parler dans le chat, d'accord, ok. Arrêtez de laguer, hein. Pas des connexions, les gars. Pourquoi ça marche pas? Non, vraiment, regardez, je vous montre le bloc. Et vous m'expliquez pourquoi ça marche pas, du coup. Parce que je comprends pas pourquoi ça n'active pas le bloc. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. J'espère que je vais y arriver. J'espère. Pourquoi les tracks, bonsoir. C'est dingue. Hein. On va faire autrement. Et autrement parce que ça marche pas. Merci pour les bits, et Trax, merci à toi. Pour les 3 bits. Comment vas-tu, l'ami? Tu vas bien? Tu as la forme? Ouais, ça me détend bien, ça. C'est mon bad. C'est mon bad. Je voulais tester. Je voulais confirmer qu'il n'y a pas de trou. Je voulais confirmer. Bon, le chemin, c'est vraiment là. Hein. Eh bien. Du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques comment je devine que la clé est en haut. Etrax, pas Etrax, notre ami Lucifer. Explique-moi comment je dois deviner que la clé est cachée en haut à droite. Clé que j'aurais besoin ou clé qui est en fait une dead exit. Explique-moi comment je dois le deviner. Comment on devine ça sans déconner? Je pense que ce soit frustrant d'essayer de passer du temps à créer un niveau pour le voir clair en 30 secondes par les streamers. La clé, c'est pas comme ça que tu l'as, Mordorir. C'est bizarre parce que étonnamment, t'as mis des lianes. Du coup, ça m'étonne un peu, Lucifer. MDR. Du coup, ça m'étonne qu'il y ait une clé là-haut, tu vois, avec des lianes au-dessous qui la rend accessible. Ça m'étonne un peu. Là, par exemple, pour la chose plus verte, t'aurais peut-être pu mettre un bloc ici. Enfin, tu peux pas, mais... Histoire qu'on bloque le Yoshi pour éviter qu'on perde si on rate le jump. Voilà, parce que c'est... C'est d'une merde incommensurable. Excuse-moi le vocabulaire, mais...
La clé, c'est avec un jump. Évidemment que c'est avec un jump, ouais. Ouais. Évidemment. Évidemment, on va remonter, alors. On va essayer de remonter. Bizarrement, il y a des lianes, là. Très bizarre, tout ça. Très bizarre. Merde. À toute Caro, bonne douche. Bonne douche à toi. Évidemment, on est traqué pour faire jouer Yann. On le sait tous. Évidemment. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. En haut, pourtant. On a bien vu toi de regarder en haut, hein. On l'a tous vu, lever la tête. Oh, c'est marrant ça, madame Latin. Évidemment que non. Évidemment que non, ça. On joue une technique pour passer dans le trou directement parce que c'est casse-couille en fait. Et j'ai une autre technique plus facile pour passer. Mais merde, on va sur le Yoshi. S'il te plaît, Todd. Vous l'avez pas vu, mais il voulait pas rentrer dans le Yoshi, quoi. C'est incroyable. Juste, c'est pas possible pour le trou, et en plus, tu peux pas terminer le niveau comme ça. Alors, je vais t'assurer que c'est possible de passer par le trou. Juste. C'est la mode de dire juste, j'ai l'impression. Beaucoup de gens disent juste, beaucoup de jeunes gens disent juste. Dommage, j'ai raté. Mais promis, c'est possible de passer dans le trou. Donc en fait, c'est pas dans le trou qu'il faut que j'aille. Donc, ce n'est pas dans le trou. Et donc, c'est pas dans le trou, c'est où? Bah, c'est où? La carapace ne sert pas à prendre les Yoshi. Tu vois où est le problème, Lucifer, dans le niveau? Est-ce que tu vois où est le problème actuellement dans le niveau, là, du coup? Rigole pas, il y a un problème dans ton niveau. Oh non, le Red King nous quitte. Donc la chaîne ne sert pas à ça, donc à quoi sert la chaîne? Hé. Hey. Écoutez, viens voir. À quoi sert la chaîne, les gars? Apparemment, ça sert pas à ça. Dommage. C'est vraiment dommage.
Et du coup, tu m'expliques comment prendre Yoshi? Si la chaîne ne sert pas à ça, Lucifer? Pardon, c'est ma faute. Du coup, peux-tu me dire comment on chope le Yoshi? La technique pour choper le Yoshi si la chaîne ne sert pas à prendre le Yoshi? Juste pour info, je t'entends pas, Zekel, car je vais ban. Hein. Je vais ban dans pas longtemps, je crois. C'est niveau de merde. Je vais ban, en fait. Je vais juste ban dans pas longtemps. Il vient de me dire que la putain de chaîne ne sert pas à ça, mais elle sert à quoi et comment je chope ce putain de Yoshi alors? Ton niveau de merde là, tu peux l'assumer ou pas? Putain, j'étais tout calme aujourd'hui, je suis énervé maintenant. Il se fout de ma gueule en plus. Et comment tu montes? Tu ne peux pas monter sans le Yoshi en fait. Tu ne peux pas monter sans le Yoshi. Ah bah oui, comme ça on prend le Yoshi du coup. Du coup on la gobe, ok j'ai la strat, c'est bon. Bon Dieu. Bon Dieu. Oh doux Jésus. C'est de la merde. J'ai quand même envie d'essayer ma merde. Mais pff. Et va crever, sans déconner, va crever. Ça mérite un buff, 1000 buffs ça mérite ce truc là. Ça mérite 1000 buffs. 1000 et un buff ça mérite. Oula, Snow. Snow, tu vas te calmer tout de suite aussi. Tu vas éclater personne en vrai. Tout à l'heure, Snow. Merde. Faut se calmer derrière, Snow. C'est chiant, mais évite de manquer de respect. Quand même, dès que t'as rien du tout. Mais what the fuck ce jeu? Putain! Non mais c'est un niveau de merde, cherchez pas. Devinez pas, c'est à chier. Il y a probablement une dev exit en plus remise ailleurs. Parce qu'il avait mis des dev exit, il a dû la foutre ailleurs. Il a dû la foutre ailleurs en vrai. Merde. Je l'ai pas tapé.
Merde. J'espère totalement les Non mais c'est le bordel, ce niveau ne va pas. Il y a très probablement une dev-exit quelque part en plus. Comme la première fois du niveau. Ça ne va pas du tout. Il y a rien qui va. Je suis curieux en fait. Hein. Là je joue parce que je suis curieux. Oh, c'est une blague par contre, t'as mis. Je vous explique, hier il est venu sur le live en disant « Tiens, je t'envoie un niveau impossible à faire. » Évidemment, si on peut pas le finir parce que c'est un niveau de merde. Évidemment. C'est comme, vous savez, c'est comme on crée Jump King, pardon. On vous dit Jump King « Tiens, je t'envoie mon jeu, il est impossible à faire. » Évidemment, parce que toutes les commandes sont inversées en fait. Et amuse-toi bien pour jouer à Jump King en commande inversée. Voilà. Mais mon niveau, il est impossible à faire. Mon jeu est impossible à faire. Simplement parce que c'est un jeu de merde. Ce niveau, c'est pareil en fait. L'affinité n'est pas la qualité. Dommage. On peut aller partout, je peux aller partout, je sais pas où je dois aller. C'est pas bon. C'est ça, madame Atta, totalement ça. Bah il y en a, s'il fait tout le niveau, il y en a au moins une quinzaine. Indication, ouais. Bon allez, j'ai bien fait de bof le niveau, c'est de la full merde. Tu l'enverras à l'OPOC, il se fera à peu près 3000 euros sur ton dos. Tu seras content. Voilà, voilà. Niveau suivant. C'est officiellement de la merde, hein. C'est officiellement du caca. Si tu m'entends, Lucifer, c'est officiellement du caca à ton niveau. Niveau difficile, non. Demande un minimum de skill, ouais. Pour le Yoshi, oui, un petit peu, mais il faut comprendre ce qu'il faut faire. Donc c'est pas évident. Bref, pour CB Games. Ah, c'est pour CB Games. C'est qui CB Games? Est-ce qu'il fait de la thune sur votre dos aussi? Enfin, entre guillemets, pas sur votre dos, mais grâce à vous. Ah, c'est Polo. Quoi? C'est qui? Ouais, qui c'est? C'est quoi, c'est B-Game? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est B-Game? Je connais pas. Je suis naze, moi. Sur ma ferme pseudo, d'accord, ok. Ok. Je vais checker un truc, du coup. Moi, je connais pas, hein. Je connais pas le game, moi. Du coup, voyons voir les vues. Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur une vidéo. Ah, ok. Ouais, bah. Merci à vous, quoi. Niveau suivant, R4C. Avec en 2G. J'avais déjà vu des vidéos il y a très longtemps. Très très longtemps. Et oui, c'est du contenu très low-pop, ouais. Où je rage sur des niveaux un peu... voilà. Qui du coup, les gens influençables très très jeunes croient que c'est comme ça qu'on joue à Mario Maker après. Non. Non, pas vraiment, non. En tout cas, pas en tant que streamer. Fait croisement invisible, ok. Je crois avoir compris déjà. Faut faire de la projection, c'est ça. Faut projeter les droites, ça. Je suppose, non? Bah écoute, chacun fait ses niveaux comme il veut. Ouais, ouais, chacun chie comme il a envie, hein. Ça c'est clair net, hein. Y'a aucun problème là-dessus. Ah, j'ai bien compris le niveau. Y'a aucun problème là-dessus, hein. Vous chiez comme vous voulez, y'a aucun problème, hein. Par contre, je comprends pas là.
Ok. C'est mal foutu, hein. Et c'est très mal foutu, hein. Ok, j'ai compris, mais c'est très mal foutu, hein. Le croisement est mauvais, là, regarde. Ah non, j'ai rien dit, c'est moi qui suis mauvais. Oula, my bad. Autant pour moi. Ok, j'ai compris, c'est une suite logique de projection. On projette le en fait, on projette de projection en projection. Par contre, là, c'est improjetable. Pas se mentir, les pots sont sur la mine. Merde. J'ai pas fait exprès. D'ailleurs, j'avais fait des niveaux à te montrer, mais ma save a été compu. Ah merde. Merde, merde. Projection diagonale. Ouais, mais elles sont en ligne droite, tu vois. Les deux monsters, ils sont en ligne droite. Donc oui, je vois. Ah ouais, d'accord, j'ai un diff. Ok. Ah, c'est très bizarre. Hein. C'est bizarre, tu sais pourquoi? Ok. Je comprends, mais c'est étrange. C'est étrange pourquoi? Parce qu'on sait pas si c'est une projection au bas. Je crois que c'est une base, du coup. J'ai compris, là, faut trouver le centre de la projection, en fait. Mais... Ok. Recarreau. Attendez, je reviens. Je vais dire bonjour. Je reviens. À de suite. Je vous laisse là, hein, je me mets juste. À de suite. Je vous mets une petite musique pour patienter, ça marche, Caro. Bah, tant mieux. Thank you.
Re, ils sont tous partis. Re. Oh, tous les gens sont partis, mince alors. La parole est FK 5 minutes pour dire bonjour. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lis, hein. Alors, je vous relis, excusez-moi. Un message précédent. Ah, ok, il y a deux situations différentes, enfin, D'accord, ok. Je vais revenir, ouais, je suis là. C'était mon père, il est arrivé, je dis bonjour, on a offert le cadeau et tout. Tout va bien. Et j'ai mangé quelques cannelés au passage aussi, donc tout va bien. Vous inquiétez pas. Vous êtes tous partis, vous êtes vraiment tous partis. Enfin, les gens sont partis. Bah, c'est pas grave. Pas grave, vous inquiétez pas. De toute façon, chanceux, ouais, j'ai eu de la chance des cannelés. Tu viens toujours de Macao. Baiser parce que je vois qu'il est bon ordre. Soit les items sont alignés, donc c'est la diagonale, soit les items ne sont pas alignés et c'est la... Ouais non, j'avais compris ça. Du coup, je suis baisé là. Et alors, il est cette heure de finir aussi à Dirty. Elle est pas là. Non, bien sûr. Où est la clé? Ah. C'est pas simple à comprendre. Hein. Là, j'ai tout baisé parce qu'il y avait un pot. Ici. Du coup, c'est la diagonale, c'est là. Bon, c'est là alors. Bon, je dois être naze, mais. Bon. J'ai tout niqué. Peut-être qu'il me censure parce que soi-disant je tape trop vite. Mais non, madame, attends, ne tape pas trop vite, c'est faux. C'est faux! Ah oui, c'était là. Bon. Ok, j'aime bien le niveau, c'est cool. Bonsoir One Wolf, bonsoir l'ami, comment tu vas? Coucou. Coucou à toi. T'inquiète, on va discuter après, Kao. T'inquiète, Oppo. À la clé ici, d'accord, ok, je suis un idiot. Alors, donc là il y avait un pot, je crois. Bon. J'ai eu de la chance. Non, c'est cool comme concept. T'aurais pu le pousser un peu plus loin, je pense. Mais c'est très cool, ouais. Très cool. Est-ce qu'on a d'autres niveaux? On n'a pas d'autres niveaux dans la file. Oh. Coucou à toi, Mifacidon. Coucou l'ami, tu vas bien? Coucou. Ah, j'ai juste bâclé, d'accord. Désolé. J'étais de ouf, désolé. Excusez-moi. Ça va bien, ça va tranquille. J'ai soif parce que j'ai mangé tellement de cannelés que du coup, j'ai la gorge sèche, vous savez. T'as raté une salle bonus, pas capté que tu peux prendre une pièce bonus. Ah! Trop de cannelés. Cannelés. Pas de café. Cannelés, sud-ouest. J'ai le temps de faire un dernier niveau.
Ensuite, on passe sur Under Lilies. Donc, tu connais pas la cannelée, c'est une des spécialités du sud-ouest. T'as des petites bouchées très très bonnes, sucrées, sucre, œuf. Très bon quoi, parfait. Alors, vas-y, envoie-moi ton niveau, Mifa. On va faire quelques niveaux, on va se quitter là-dessus. Alors, je devais le finir hier, Madame Atta, Underlise, mais j'ai pas fini parce que j'ai été nul. Et aujourd'hui, on finit sûr, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on le finit parce qu'on est à la toute fin, là. Vraiment à la toute fin. C'est même possible que si on finit trop tôt... Non. On commencera IS9 demain. On commencera YS9 demain. Ouais, non, j'ai bien compris, Michael. J'ai bien compris que j'ai eu un coup de chat sur la clé à un moment donné. J'ai bien vu. JSD. 3TM. MQF. Mifa, Sidon. Je suis un fan de Zelda, oui, Snow. J'aime beaucoup Zelda et bon, ça se voit sur la chaîne. Hein. Et sachez tous, autant que vous êtes présents là, que tous les mois, à partir de ce mois-ci, en fin de mois, je fasse une annonce sur Discord, il y aura un live 24h marathon Zelda. On commencera par le 1, 2, 3, 4. Enfin, on fera tous les gros Zelda, on voit pas les petits parce que... Enfin, pas les Game Boy, quoi. Si, on fera peut-être un des Game Boy, le premier Link's Awakening. Mais tous les mois, en fin de mois, il y aura un live 24h. Mario, pas du tout. Zelda, où on fera tous les Zelda. Donc, on commencera par Zelda 1, 2, 3 en 24h. Enfin, on verra ce qu'on peut faire en 24h, tu vois. Et on continuera les lives par mois jusqu'à temps qu'on finisse la série. Parce que les oracles, le problème, c'est que c'est long. Alors, si je commence à taper les Game Boy, Michael, j'ai pas fini, en fait. Le problème, c'est que j'ai pas fini si je commence à taper les Game Boy. Le problème, c'est que si je tape les Game Boy, je suis mort, quoi. Je suis mort. Je sais qu'ils sont cool, je les ai déjà fait quand j'étais petit, hein. Quand j'étais jeune. Mais le problème, c'est que si je les fais, je live pendant un an, quoi. Non, EDS. Bah, EDS, c'est les... Je suis avec le train, je crois. Il y en a un avec le train et l'autre avec la flotte, il me semble. Non, je ferai pas les Game Boy, je ferai pas ceux qui sont sur Game Boy, à part le Link's Awakening. Parce qu'il a sorti sur Switch. T'as le temps dans la vie, c'est pas... Ouais, mais attends, 24h, faut s'effarcir, Michael, hein. C'est pas simple, hein. Le train et le bateau, c'est ça, ouais. Et sur mes fêtes, je fais pas les Catanex. On verra. En vrai, on verra. Il est possible que si... Voilà, s'il y a folie sur le live et engouement... Il est possible que l'on tape tous les Zelda. Il est possible sur des lives ultérieurs. Majora's Mask, ouais. En fait, il y aura 1, 2, 3. Enfin, 1, Link. 3. Enfin, du coup, 3, c'est le Link to the Past. Ocarina of Time, Majora's Mask. Ensuite, il y a le loup, là. Comment ça s'appelle? Le loup, Skyward Sword. Le dernier Breath of the Wild. Il y a également le... On fera le Link's Awakening sur... Sur le Switch, pardon. Et globalement, c'est ce que j'ai prévu. Donc, ça prendra au moins. À mon avis, bien au moins 3. Au moins 3, 24 heures. Ça fait beaucoup. C'est pour ça, ça fait beaucoup. Et 24 heures, faut s'éparcir, les gars. C'est pas simple. Hein. Surtout que Zelda, en tant que marathon let's play, ça va pas être très encourageant pour moi, dans le sens où vous serez pas. Il y aura pas full, quoi. On va pas se mentir, il y aura pas full, je pense. Du coup, je le ferai, mais il y aura pas full. Donc, ça sera un peu. Je serai pas autant d'aplomb, dans le sens où je serai pas autant réveillé, parce que quand il y a du monde, je suis réveillé. Et quand je suis seul, arrive la nuit, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est dur. Ouais. Sinon, je fatigue pas, en général. Sûrement, je peux parler, qu'il y a des gens à parler, moi, je fatigue pas. Wind Waker, j'ai oublié Wind Waker, bah, excusez-moi, j'ai oublié Wind Waker, oui. Wind Waker avant Twilight Princess, oui, pardon. Évidemment. Vous voyez, il y a du monde, quoi. Il y a du monde, il y a de quoi faire. Et ce sera tous les fins de mois. Il y aura un live 24h, le week-end, le samedi à dimanche, à peu près. Ouais, de samedi à dimanche, je pense. 24h. Bim, Zelda, on enchaîne. Mais chill, hein, c'est-à-dire que dans le sens où il n'y a pas de gros planning de fait, il n'y a pas de... On se lève, on mange quand on veut, on... Voilà, des trucs très sympathiques, hein. Pas comme les live 24h que j'ai pu faire où c'était assez cadré et... Il fallait tout faire, quoi. Enfin, fallait suivre un peu le planning. Ce sera méga chill, là. Oh, pognon! Et coucou à mort, je sais pas si je te l'ai dit, je crois que oui, mais coucou à toi l'ami.
Merde. Oh bah yes. En tout cas, j'espère que je vous serai au rendez-vous parce que... Ah, c'est aussi pour vous que je fais ça. Et c'est aussi grâce à vous. Parce que... Merde, je vois. Parce qu'en quelque sorte, lors du live marathon... Lors... Pas marathon. Lors du live... Puis marathon. Mario qu'on a fait... la fin du mois dernier, je crois. Ah, eh bien, j'avais fait une petite cagnotte pour déclencher un nouveau marathon. Et ce fut Zelda, que j'avais choisi du coup, parce que c'est dans la lignée, on va dire. Et j'avais fait une cagnotte, en fait, si on atteignait le but, eh ben, on taperait le truc. Et on l'a tapé. On l'a tapé grâce au généreux don de Léa, qui a full cassé la cagnotte. Merde, y'a rien. Faut que je prenne le toutou. Ah, j'aime bien ça. C'est un bon niveau, ça. C'est un très bon niveau. Très très bon niveau, ça. Allez, où à l'attaque. Mais non, descend. Allez, le con. T'inquiète, Zelda, ça va. C'est mon kiff, je viendrai. Ok. Avec plaisir, moi, avec plaisir, moi. En tout cas, je serai là, hein, forcément. Pendant la traversée de faire Dark Souls 2 suite de Bloodborne, la bonne transition. Ah, ouais, il est fou, lui. Tu sais que pendant mon premier 24 heures à mort, on avait le soir, en fait j'avais commencé le live je crois à midi, ouais non à 15h je crois, et le soir on était en multi, on jouait à des jeux multi à la con, ensemble, et vers 2-3h je devais quitter pour faire du Dark Souls 1 jusqu'à 8h ou 10h je crois. Donc la nuit, pendant 5-6h j'ai joué à Dark Souls. Et c'est là, c'est à ce moment là que le marathon que les let's play le samedi après-midi de Dark Souls ont commencé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé. En mars. Du coup, on est sur les Dark Souls depuis mars. En jouant que les samedis. Et on est au Dark Souls 3, là. Ça va. En vrai, ça va. C'est pas si pourri. J'adore cette mécanique, ouais. J'aime beaucoup. C'est un truc qu'on voit souvent. Y a pas grand-chose à faire avec, c'est pour ça qu'on la voit souvent. C'est plutôt sympa. Dark Souls 1, non, c'était vraiment une new save, j'avais jamais joué, moi, Dark Souls 1. Du coup, c'était une nouvelle save, j'étais au début, hein. Je crois qu'en plus, en 5 heures, j'ai dû... Je sais plus où c'est que je m'étais arrêté. Je crois que je m'étais arrêté dans les égouts, mais je suis pas sûr. Bah, crash? Non? J'ai eu peur, de ouf. Ok. Tam pam 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 pam. La bomba. Tiens. Moi je vais aller, je vais lire un livre. Ça marche nickel, bonne lecture à toi. Je t'appelle de mon camarade, je sais plus. Honnêtement, je sais. Ah non, pas du tout les égouts. Alors, pas du tout les égouts. Je crois que j'avais galéré longtemps contre les gargouilles. Parce que moi, les gargouilles, je les tue en premier, bien sûr. C'est les gargouilles. Les gargouilles. Sur l'église, là. Enfin, sur le gros château. Les gargouilles. Que j'avais pas tué, d'ailleurs. Les gargouilles. Niveau très cool, je vais en faire un autre. Ensuite, on se quittera là-dessus, je pense. On se quittera pas. On ira sur Underlies. On a le temps, excusez-moi. Je vais aller faire du sport. Bah, des bisous à toi, Snow. Bon sport à toi. Bon sport et bonne lecture, Mikael. Des bisous à vous. Merci, Caro. Danger dans l'air. 1-2. Alors, les gargouilles de la cloche, horrible. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai appris que moi, j'allais au début du jeu, en premier boss, alors que c'est pas vraiment le premier boss à tuer, quoi. Non. Le problème, c'est qu'il est accessible facilement en tant que premier boss. Du coup, je suis allé, il m'a cartouché. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'armes, je jouais avec une épée à la con. Du coup, je faisais pas de dégâts. Jusqu'à que je comprenne, parce que c'était une aventure no spoil et no je sais pas quoi. Jusqu'à que je comprenne que je puisse utiliser la poudre électrique, là. Tu leur fais trop mal avec ça. Tu multiplies tes dégâts par 2,5, c'est n'importe quoi. Du coup, c'était bien plus simple, parce qu'en fait, quand il y a les deux, une, c'est gérable, mais quand il y a les deux, c'est ingérable. De toute façon, c'est Dark Souls, là. Quand il y a deux mobs, c'est ingérable, après. Et du coup, en gros, l'autre, je l'avais défoncé la première avant que la deuxième pop, quasiment. Avec l'item. Ah, c'est dommage. Pas de soucis, Snow, pas de soucis. T'inquiète. Pas de problème.
Oh, il y a un 9. Pas les deux mots. J'ai mangé plein de cannelés. Racine de pain d'oreille, c'est ultra, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais t'as le temps de les fracasser, en fait. Rien qu'à ça, tu les fracasses. Tu multiplies littéralement tes dégâts par 2,5 que je faisais, je crois. Je crois que je faisais à peine 80 dégâts, et avec ça, je faisais 200 et quelques. Du coup, je peux t'assurer que le boss, je lui faisais mal, quoi. Bien plus mal qu'avant. Et du coup, j'avais eu le temps de bourrer la première avant que la deuxième pop. Ah, il n'y aura plus demain, je pense, KO de canner. Canner, canner, canner. Ah, c'est un ballon de pièce, d'accord, ok. Autant pour moi. J'adore les ballons. J'adore les ballons. Au linge. Ah, j'ai voulu le pognon. Pas eu le temps. Niveau terminé. On va en faire un autre, il est que 55, on en fait un autre. C'est ta soirée, Mifacidon, aujourd'hui, c'est ta soirée. Bien qu'on soit la journée, hein, ça se voit, vu que je suis reflété par la lumière du jour qui me reflète et qui m'illumine de soleil, du coup, donc on n'est pas la soirée. Voilà. Mais aujourd'hui on fait beaucoup de niveaux à toi, pourquoi? Parce que, oh, Vicky est vivant. Vicky est vivant, il a pas la Triforce. Hein. Remarquez. Coucou Vicky, bonsoir à toi, comment tu vas? Coucou Nice, bonsoir à toi aussi. Bonsoir à vous deux, comment allez-vous? Comment tu vas Vicky? Comment se passent tes vacances, cher ami? Trésor maritime. Martim, oh non! L'erreur! L'erreur du joueur français! Trésor maritime! Et non pas maritime. Sacrilège. L'erreur a été commise. Ça fait un mois que je suis absent de l'univers Twitch. Content de vous retrouver. Bah, des bisous à toi, Kovitsugi. Comment tu vas? En vrai, ça fait longtemps, c'est vrai. J'espère que tu vas bien. Oula, c'est effrayant. Pognon. Ok, faut que j'apprenne à écrire. C'est ça. Bah, c'est pas très grave, hein. Tes niveaux sont excellents, par contre. La qualité des niveaux sont assez fous. La qualité est folle, du coup, parce que moi, il faut que j'apprenne à parler. Si toi, faut que t'apprennes à écrire, moi, faut que t'apprennes à parler. Youhou! Est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Il semblerait. Ok, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est un peu la pièce au cas où, ça. On va tirer la chasse d'eau, c'est ça? Eh bien. J'aime bien. J'aime beaucoup les flèches. J'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. La fin, il manque un truc ici pour qu'on devine. Bon, c'est pas mortel, donc ça va. Mais ça, j'aime beaucoup, ça. Ah bah, j'évite les pots des cordes. Ouais, évite de faire du sport quand il pleut des cordes. Parfait! Incroyable! On va en faire un niveau encore, il est pas encore 14h. Il faut que je fournisse mon heure, mes 2 heures de Mort Maker. Sinon, je le vis mal après. Je me sens mal, je le vis mal. J'ai mal au ventre. Voilà. Donc je vais vous fournir l'heure, je vais les... Voilà, les 2 heures vont être fournies. Vous aurez 2 heures de Mort Maker. Sinon après je suis constipé. Voilà. Je le dis, je le dis. Trials of Mask. Le MDM. J'ai pas l'arrêt. Oh. Ok. Du coup là je vais petit à petit revenir mais ça reste un peu compliqué tant que je suis pas dans mon nouvel appart. Ça marche Vicky. Je passe en lurk, direction la cuisine. La place de One Wolf, c'est à la cuisine. Ça marche, à toute, One Wolf.
Donc on a tous les chapeaux. Trop des snares. Ouh, c'était effrayant. D'accord, c'était large. Ça aurait pu être moins large en vrai. Oh punaise, c'est ça. La pièce. Ah j'ai vu la pièce, j'ai même pas vu. Ok. Encore une fois, un bon niveau bien construit, ça me fait plaisir. Je suis toujours content moi, d'avoir des niveaux bien construits. Le mécanisme est bon. On fait de gauche à droite, hein, donc ça fera en U. En U de gauche à droite. Hein. Ça, c'est hyper dur à faire, ça. C'est bien joué, ça aussi. Ah, ah, j'aurais pu survivre. Un mois que j'ai pas touché à Mario Kart 2 aussi. Aïe, 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 aïe. Je vais pas parler beaucoup car je vais... Monster Hunter Stories 2, ça marche. C'est un très bon choix, ce qui paraît. Un bon trait Pokémon-like. Un très bon Pokémon-like, pardon. Avec Monster Hunter. Hein. Donc, c'est tout à fait bien. J'ai bien envie de le faire à terme. Effrayant. J'ai même pas renouvelé mon Switch Online qui s'est terminé en jeu. Tu te sevres, c'est bien. Il faut savoir se sevrer un petit peu. Le pow. Pow, 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 pow. Le pow. Pognon. Le pow-gnon. Un. Deux. Trois. Mais putain, ça c'est chiant aussi, hein. Ah, c'est ma faute, hein. Entre nous, c'est meilleur que Pokémon à certains points. Oui, à ce qui paraît, ouais. Il semblerait. Tu as eu des cancers sur ton stream, Zeket, vu que tu es ce... Ah bah, oui, j'en ai, hein. Ah, tout à l'heure, je suis à un niveau... mort. Niveau, il n'était pas un niveau réputé hein, par la personne hein, qui me l'a envoyé. Impossible, oh, il y avait juste des blocs cachés, quoi. C'est pas quelqu'un qui est cancer, mais... Comment dire... Son idée de gameplay du jeu, Mario Maker, elle est cancer. La personne elle-même n'est pas cancer, mais c'est vraiment son idée du jeu qui est cancer. Pokémon, c'est le Call of Duty des RPG. C'est vrai, ça, ils arrêtent pas d'en faire lancer tout le temps. Mais en fait, ils améliorent pas grand-chose à chaque fois. C'est vrai, hein. C'est un peu les jeux qui se reposent sur le laurier. Sur le laurier, pardon. C'est Pokémon. Alors, coucou à toi, Alex, mais la file est close. Je l'ai pas close, en vrai. Mais la file est close. Coucou à toi, Alex. Désolé, la file est vraiment fermée pour aujourd'hui. On finit ce niveau et ensuite, on partira sur Underlease, finir le jeu vidéo. Non, t'en vas pas, Caro. Mais il est vrai, Caro, en étant objectif, il est vrai que Pokémon, d'une génération à l'autre, il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles choses. À part des générations, des nouveaux Pokémon. En soi, c'est cool, c'est déjà bien. Mais en termes de gameplay en parlant, c'est pas folichon à chaque fois. Celui-ci, je l'ai pas, non, le code. C'était le monde. Ah non, l'autre niveau, je l'ai... Non, l'autre, je l'ai plus. Je l'ai plus. Après, je parle de Pokémon, mais je suis pas un adepte, hein. Ah, ça reste là, les questions, je suis con. Du coup, depuis mes achats multiples chez Ikea, je n'aime plus chez... Je n'aime plus que les Toads suédois. Je suis devenu raciste des Toads. Quoi ? Vicky, t'es le pire. Non, en vrai, Caro, je suis peut-être pas méga objectif, mais... Parce que j'ai pas vraiment tout fait, toutes les générations. Merde. Oh, c'était chaud. Mais moi, ce que j'ai remarqué en tout cas quand j'ai joué de Pokémon rouge, bleu à or, argent, j'ai pas trouvé de différence. Quand j'ai joué de or, argent à c'était quoi après, c'était Ruby et l'autre là.
pas trouvé ça fou non plus transcendant, à part les graphismes, qui changeaient pas mal, puisqu'on était en couleur après, c'était... Ok, c'était cool, quoi. C'était cool. Après, j'ai arrêté, après. J'ai pas fait noir-blanc. Je crois que c'est noir-blanc, après, non? Il y en a d'autres, je sais plus. Je crois que c'est Diamant et Perle que j'ai pas fait. Que je sais pas fait. Mais du coup, les nouveaux qui vont sortir... Je vais m'en prendre un carreau. Et, voilà. Ça, effectivement, ça, j'ai pas fait. Hey, mon pognon. Donne. Au point lancé avec mes titres, je me permets de mettre des commentaires de merde sur certains levels. Fais gaffe parce que tu peux te faire report en vrai. Qu'est-ce que je dois faire là? Ça? Ah ok, c'est bizarre, ça rentre. Moi je vais prendre les deux car c'est ma gêne préférée. Je crois que t'es pas le seul à prendre les deux en vrai. Y'a beaucoup de monde qui vont prendre les deux, ouais. Pognon. Enfin bref. Quoi? Kekia. Kekia, c'est pas vrai? Y'a rien, ça marche. Je suis un Goomba! Je suis un Goomba! Du coup, t'as raté les trucs en un mois? Bah, t'as raté. Je sais pas, t'as raté Zeket qui est en finale de la Creed Race. Globalement, c'est tout, je crois. Hein. Le game n'a pas trop changé, hein. Enfin, moi, j'ai pas de mentir, ça faisait plus d'un mois que je l'avais pas vu, mais. Voilà, quoi. Youhou! Caro, tu me conseilles lequel, du coup? De Pokémon, si j'en prends un. Entre Diamant et Perle. C'est Diamant et Perle, ça, je suis pas fou. Le connard. Et en finale, seulement, t'as pas... Bah, y'a pas eu le match! Il a pas eu la finale encore, je suis en finale, j'attends mon finaliste, Vicky. J'attends mon finaliste entre Trucmuche et Rakai. En fait, ils sont loser bracket les deux. Moi, j'ai fait que gagner parce que bah, je suis un génie, quoi. Coucou, Justine Branche, bonsoir. Tu me conseilles, Unite, Justine Branche, non. Non, Caro, tu me conseilles lequel, en vrai? Bien que ce soit les mêmes, mais en termes de Pokémon, en termes de Pokémon unique dans la version, je crois. Enfin, unique, capturable. Et légendaire, je crois. Enfin, pas légendaire, si c'est légendaire, je crois. J'aime beaucoup ce niveau, hein. J'ai rien compris au niveau. Ouais, mais c'est effrayant, ça. Bah, ça dépend. Tu as soit Dialga sur Diamant ou Palkia sur Perle. Moi, j'adore Dialga. Bah, Dialga, j'aurais bien... Après, Diamant, c'est un truc un peu plus... un truc qui est unbreakable like a diamond. Du coup, ouais, si j'en prends un, je prends un Diamant, je pense. C'est vrai, hein. Le diamant me tente mieux que le perle, parce que perle, ça m'inspire beaucoup moins qu'un diamant. Il faut que j'aille de la pique, je suis con. Ah, ok. Ah, oh, ça a l'air d'être un enfer. La grosse? Ah, mais du coup, j'ai foutu la merde, là. C'est mort. Ah, fuck. Ah, merde, je sais plus de boomerang. Ah, si, j'ai un boomerang, très bon. Après, je peux... Ouais, non, je sais. Ah, parce que moi, je pense que si je fais le diamant, là, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Pokémon en live, enfin, que j'ai jamais fait d'ailleurs, j'ai pas fait de Pokémon tout court, il est pas impossible que j'ai envie de compléter le Pokédex à donf. Ah merde, idiot. Et moi, je préfère. Diamant, ça m'inspire beaucoup plus. Ouais, je sais que t'auras les deux, toi, Caro. Tu vas faire les deux en plus en live. D'ailleurs, c'est quand? C'est fin septembre, c'est ça? Putain, mais ça va être compliqué, et je vous le dis, hein. Fin septembre. Enfin, à partir de septembre, ça va être très compliqué de jouer à des jeux vidéo en live, hein. Je vais live 24h sur 24, hein, je vous le dis. S'il y a trop de choses. Novembre, je sais plus. C'est novembre. Mais je me suis encore trompé, je suis un idiot. D'accord, novembre. Bah, à partir de septembre, sachez que c'est un enfer, hein. Il y a tellement de jeux à faire, il y aura Diablo, il y aura trop de trucs, trop de trucs. Trop compliqué, quoi. Donc ça, c'est la strat, hein. Petit pof. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? C'est dommage, ça. Mario Party, oui, Mario Party. Ce Mario Party-là, Vicky, c'est le meilleur... Alors, il sera acheté également. Il sera dans ma ludothèque. Pourquoi? Ludothèque. Pourquoi il sera? Parce que c'est les meilleurs mini-jeux. Mario Party 1, 2 et 3. Je crois que c'est ça, hein. Superstar, c'est 1, 2, 3. C'est les meilleurs party games
mini-party games au monde. Vraiment. Vous vous rappelez le truc avec les champignons? Où il y avait des couleurs, des plateformes avec des champignons où il y a des couleurs, en fait. Et il faut se mettre sur la bonne couleur. C'était incroyable! C'était incroyable, ce mini-jeu. Incroyable. Vous vous rappelez les mini-jeux où il fallait gratter des boutons? Incroyable. Le truc qui niquait les manettes, là. Trop bien. Trop bien. C'est les plateaux des trois premiers MP, ouais. Mais les mini-jeux sont... Ah, c'est encore mieux. Mais je pense que je prendrais le diamant, oui, Caro. Merde, c'est encore plus. Oui, non, je le prendrais vraiment et je le ferai en live, je pense, aussi. Je jouerai un peu en live et je jouerai pas qu'en live sur la save, parce que ça va être compliqué. Mais ouais, j'y jouerai, je pense. En espérant qu'on puisse capturer beaucoup de Pokémon dans cette version. Voyons ça. Ok. Ok, c'était chaud. Ok. Yes. Oups, I did it again. Oh, c'est vrai, Sakaro. Ça a l'air qu'il va avoir tous les Pokémon, sauf quelques... Ils vont même rajouter ceux des générations suivantes. C'est-à-dire que du coup, dans le Pokémon Diamant qu'on aura, on aura le futur. Ça, c'est cool, ça, en vrai. Ça, c'est intéressant. Parce que finalement, on peut voir ça comme un nouveau Pokémon, quoi. Enfin... comme un Pokémon, voilà, un Diamant 2, quoi. Un Diamant 2 rehaussé. Rehaussé graphiquement et avec les nouveaux Pokémon, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, en vrai, du coup. C'est un bon point. Ah, c'est une supposition, ok. Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Parce que du coup, c'est ce qui manque dans les Pokémon, parcourir les anciennes maps avec tous les Pokémon. Ça manque, en fait, je trouve. Non, non, moi, c'est Diamant. Si je joue, c'est full Diamant, du coup. Donc là, faut pas que je meure, là. Si je meurs, je nique le niveau. Ouais, je nique tout mon niveau, ouais. Tac. Normalement, soit il y a un checkpoint après, soit c'est fini. Et c'est fini. Diamond. Bah, légendaire, ça se comprend. Ça se comprend. Bon, bah, niveau terminé, et je crois qu'on va pouvoir partir sur Underlydies et finir le jeu vidéo. Incroyable. Bah de rien, mais facilement, c'était des très bons niveaux. Tous les niveaux étaient très bons. Après, avant de jouer à Super Mario Kart 2, on avait fait la supposition que le mode 3D World était insane. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Vicky, alors que c'est de la merde. C'est vrai. Fin de Mario Maker pour aujourd'hui. On nous sera de retour demain midi pour du Mario Maker. Là, nous partons actuellement, vraisemblablement, sur du... Underlydies pour terminer El Juego Vidéo. Nous sommes actuellement à la fin, à la dernière zone, je pense. Je pense vraiment qu'en moins d'une heure, on a clean le jeu vidéo. Alors, petite information actuelle, tant qu'il y a du monde, ce soir, je ne live pas à 9h, mais à 10h. Pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi, hein? Eh ben, tout simplement parce que ce soir, nous étions censés faire du... comment ça s'appelle? Back for Blood. Sauf que du coup... le jeu, l'accès anticipé débute à 21h, ok? Sauf qu'à 21h, moi, en tant que streamer, en tant que joueur du jeu vidéo qui n'a pas encore acheté le jeu vidéo, bah je n'ai pas encore l'accès anticipé parce qu'il faut payer le jeu 100 balles, j'ai pas envie de payer 100 balles. Voilà, c'est cher. Donc du coup, ce qu'il se passe, c'est que je dois regarder le stream de quelqu'un d'autre qui a les drops activés pendant une heure pour recevoir ma clé d'accès anticipé. Du coup, je streamerai à partir de 10h. Ouais, c'est 100 balles. Il faut la version Deluxe pour avoir l'accès anticipé. Ou alors, il faut regarder le live ce soir pendant une heure pour avoir accès aux jeux vidéo. Chose que je ferai. Donc du coup, je commencerai le live à 10h. Si, non, c'est quasi sûr. En vrai, je prendrai le live avant quand même, dans tous les cas. Je prendrai à 10h dans tous les cas. Et si à 10h, j'ai pas le jeu, ben, je ferai autre chose en attendant d'avoir la clé. Mais on... Ah oui, il faut que j'aille le jeu aussi. Oh. Ça casse les couilles. Parce que c'est vrai qu'il faut que je dèle le jeu. Après, ça va, en vrai. En vrai, ça va, dèle le jeu, on va pas se mentir, c'est relativement rapide avec ma fibre de giga.
Mais c'est bien ça, c'est bien le sel, c'est cool. Miam. Miam miam miam. Et du coup ouais, donc ce soir live à 10h, entre 10h et 10h30 dans ces eaux-là pour jouer à Back 4 Blood qui est un Left 4 Dead 2. C'est un peu le Left 4 Dead 3. C'est un peu la suite. Je peux pas payer 100 balles pour un accès anticipé que je peux payer le jeu 60 balles. Hein. C'est hors de question. Excusez-moi, entre 60 et 100 balles, il y a 40 balles. Hein. J'ai pas envie de payer 40 balles juste pour un accès anticipé. Je suis pas assez riche encore. Hein. Je suis pas un assez bon streamer pour ça. Donc calmez-vous. Je suis pas assez de thunes encore. Oui, juste pour une heure en plus. Hein. Donc non. Non, non, non. Par contre, cela dit, je crois qu'après l'heure, quand vous regarderez mon stream, au bout d'une heure, vous aurez vous aussi accès à la clé, si jamais. Moi, je suis pas streamer, mais je vais essayer de me procurer un boîtier d'acquisition pour stream Pokémon Diamant et Perle. Il y a des boîtiers d'acquisition qui coûtent pas si cher que ça, en vrai. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Bon, on va lancer la bonne scène.